suis souvent senti comme seul. Mais en réalité, je l'étais pas vraiment. C'était juste pas la bonne période. Fallait attendre, attendre, attendre. En regardant la concurrence, en regardant tout ce qu'on nous propose sur les réseaux sociaux. Et en réalité, c'est là que tu te rends compte à quel point t'es peut-être pas la personne que tu veux être. Tu idolâtres beaucoup de personnes qui en réalité, eux, ont décidé de faire ce pas. Alors pourquoi tu le ferais pas, toi? Moi, je l'ai fait. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je vais prendre la décision dont j'ai toujours rêvé. Je sais pas quoi faire, mec. Bah, c'est compliqué. Et puis là, seul toi peux prendre cette décision. Là, pour le coup, je peux pas t'aider. Ta mère peut pas t'aider. Il y aura des choix. Des choix que toi et toi seul. Toi et toi seul pourras gérer. Parce que c'est ta vie. C'est pas celle des autres. Ah bah, c'est une grande surprise, hein. Bonjour. Bonjour, réveille-toi à 10h quand tu t'es couché tard. Est-ce que tu veux un Yuski? On va retrouver son prénom. Ah, alors c'est quoi? Ça va être Uka. Uka? Uka, c'est stylé. Ah, Uka. En plus, il a une IDU en plus. Putain. Je vais avoir un chien, mec. Je vais avoir un chien. Imprévu de ouf, quoi. Je suis pas prêt. Potentiellement, dans, on va dire, 1h30, 2h, là, il sera là. Ouais. C'est ça. Comme ça. Ou sinon, il sera en train de se bébé. Et là, ce sera moins drôle. Let's go, Matso! Oh mon dieu! C'est une dingue, hein. J'ai vu son œil. Oh là là! C'est chaud. T'as vu comment c'est mis directement? C'est incroyable, hein. Incroyable. On a baisé la gueule. Bien? Bien? Assis. Mais bien. Proxy, donne la balle. Vas-y. Ouais, mon rêve. C'est prêt? C'est parti. La balle? Ouais. Oui. Tu es là? On va plus jouer, gros, en fait. Si je mets dans le pony, gros, ça va pas faire de plus. Il est malin, gros. Là, ils ont été généreux, hein. Franchement, merci. Franchement, à eux. Un max de cœur, les gars, parce que c'est vraiment les boss. Hein. Franchement, les gars, je veux vraiment avoir plein de cœur, les gars. Après, en même temps, c'est juste responsable et c'est gentil, en vrai. Moi, si je dois abandonner Yuni, ça se fera jamais. Parce qu'elle se fera bouffer par le chien. Hein? Qu'est-ce que tu fais, ton petit zoom? Je fais un zoom gringe. 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 Ouais, vas-y, je ferme le pauvre gros. Mec, mais comme un bébé, frère, tu sais. En vrai,
C'est une dingue. En vrai, c'est une dingue. Mais je me rends compte que je commence à être le papa qui est trop aux aguets. Genre en mode, regarde, chaque chose qu'elle fait, je suis aux aguets. Bah, t'as vu tout à l'heure dans la cuisine. Ouais. Bah, t'as dit attention, hein, attention à ce que le chat, attention. Ouais. Hein. Doucement. C'est beau ou ça se passe hyper bien? Ça se passe pas hyper bien, mais ça se passe. Et ça, c'est le principal. Et on va les ramener tout doucement, tout doucement. Et ça, c'est grâce à Gungear, le chien, tu sais. Il y a une chaîne YouTube, je la mettrai en description, qui montre super bien le langage corporel des chiens et des chats. C'est très très bien, cette chaîne YouTube-là. Ça se trouve, c'est pas du tout celle-ci, Gungear. Ça se trouve, c'est Flangashling. Mais vraiment, les gars, vraiment, c'est super important. Là, pour l'instant, ça se passe super bien, les gars, je suis super content. Ouais. Donc, j'ai mis son poignet dans mon truc. Imagine, elle a pissé dedans, gros. D'ailleurs, t'as bien aimé la merde? J'ai envie de t'en coller une. Je vous explique un peu son histoire. En gros, elle a été avec des propriétaires qui prenaient vraiment soin d'elle, qui étaient vraiment attentionnés, etc. C'était vraiment des personnes superbes. Je sais qu'ils regarderont cette vidéo, donc n'hésitez pas à leur faire un maximum de cœur, un maximum d'amour dans les commentaires, parce que ça doit être compliqué pour eux aussi. Ils ont dû se débarrasser de Ouka, qu'elle a maintenant présent. Ouka, c'est son petit surnom. En réalité, elle s'appelle Roxy. Mais Ouka, c'est son petit surnom que je lui donne, parce que je trouve ça stylé. Puis s'il a l'NDU, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais lui donner un petit surnom. Et voilà, donc... Voilà, en fait ils ont dû se débarrasser de Roxy parce que leur enfant était vraiment malade. Pour les personnes qui ont dû se renseigner un peu, Inoxtag est déjà, a déjà ces symptômes là, il a beaucoup mal aux yeux etc. à cause de son chien. Et là cet enfant là c'était un enfant qui était en bas âge, c'était un bébé quoi. Et il était très jeune. Et parfois on peut pas aller à l'encontre de la vie, hélas. Et donc ils devaient trouver une personne rapidement, ils ont préféré... Elle est vraiment adorable. Ils ont préféré du coup nous donner cette chance de vivre un truc incroyable avec Roxy, les gars. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc vous la verrez vraiment souvent, les gars, sur la chaîne YouTube. C'est un chien incroyable, adorable. Ça fait plus d'une semaine que je suis avec, elle est en train de reprendre du poids tout doucement. Au début elle était un peu en sous-poids, donc elle est en train de reprendre du poids tout doucement. Si vous avez vu son poil un peu particulier pendant la vidéo, c'est normal, c'est parce que ce genre de chien là a un pelage d'hiver, un pelage d'été. Donc là elle est du coup sur son pelage d'été, donc un pelage beaucoup plus fin, beaucoup plus beaucoup moins gros quoi, moins imposant. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Il est complètement fou ce chien, ma parole. Et donc là elle est sur un pelage beaucoup moins gros quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais ma parole, ça va pas du tout, mon gars. C'est encore mon frérot. Elle est sur un pelage beaucoup plus fin que d'habitude en hiver. Elle a besoin... Oh putain, gros! Donc si son poil n'était pas fou pendant la vidéo, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un chien du tout battu. Bien au contraire, croyez-moi, c'est un chien vraiment... Et elle est adorable, regardez, là elle va beaucoup mieux, il suffit juste de la brosser un peu et tous les poils partent. Voilà, donc là elle va beaucoup mieux, sachez. Donc là elle est beaucoup plus jolie, elle a moins de... En fait c'est du petit poil comme ça. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire, ça fait maintenant presque une semaine que je l'ai. Et je regrette pas du tout, c'est le meilleur chien du monde, vraiment. Elle a un an et demi pour les personnes qui veulent savoir. Et elle s'appelle Roxy, surnommée Ouka. Moi, si vous voulez qu'on fasse plein de vidéos par rapport à Ouka, qu'elle soit là beaucoup plus présente sur la chaîne YouTube, qu'on échange beaucoup, à l'heure où sort cette vidéo là à 21h30, je serai en live sur YouTube, donc n'hésitez pas à être présent. On va faire un peu un petit débrief par rapport à tout ça, donc je suis vraiment content. Regardez, vous voyez ça c'est du poil de mu, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est du poil de mu. Regardez, tu tires un tout petit peu dessus, regardez tout ce qui part, c'est une dinguerie hein. Ça c'est son poil de mu, mec. C'est une dinguerie comment ça part. Donc regardez, tu vas faire ça, hop, tu tires un peu. Voilà, donc elle est suivie par des personnes qui m'aident beaucoup. Je sais aussi qu'elle regarde dans cette vidéo, il y en a une, vraiment je peux plus te voir, frère. C'est deux filles qui sont éducatrices, qui me suivent, qui m'aident à l'entretenir correctement, qui me donnent des bonnes références pour tout ce qui est croquettes, etc. Donc aucune inquiétude, ne vous inquiétez pas, ce chien est... Et entre de bonnes mains. Et j'espère que vous allez kiffer les petites vidéos avec Ouka, la petite boss, la nouvelle personne de cette chaîne YouTube. Voilà ce que je faisais pendant cette petite semaine de non-présence en live.
Ah, j'étais avec elle. Ah là là, incroyable. Putain. Donc voilà, là, je lui ai fait sa petite maison, mais je vous la présenterai dans une prochaine vidéo si vous voulez bien. Donc voilà, là, on lui a fait une petite maison. Et on pourrait même décorer cette maison-là dans les prochaines vidéos. Donc voilà, pourquoi pas lui faire une petite déco. D'ailleurs, faut que j'en mette des croquettes. Il m'a la main dessous, il avait pas vu. Ah, le ski, moi, ça a toujours été mon rêve. Ça a toujours été mon rêve en réalité. Et là, c'est un rêve qui se réalise.